Oh, le poids 2. Attends, je vais le mettre vers Watt, je me mets dedans. Comment tu fais petit? Oh, mais le poids, frère, on voit rien. Attends, attends, regarde le poids de l'autre. On fait comment? Regarde le poids de l'autre. Celle-là, j'ai vous tué. Qu'est-ce qu'on fait? Celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait nos vieilles têtes qui dépassaient, tu sais. Comment ils vous ont éjecté instantanément? C'est en plus, t'as pas à toi? Ouais, j'ai tout. On va faire du Sea of Thieves, mesdames et messieurs. Et Gotha, ça va être sa première fois avec Squeezy et Senda King, bien sûr. En attendant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous raconter pourquoi on est réunis ce soir. C'est en partie grâce à Oreo et Xbox qui nous ont régalé. À cette occasion, le biscuit Oreo s'habille de 6 gaufrages collector inspirés de l'univers Xbox. Vous voyez, c'est des paquets spéciaux. En écho au logo de la console ainsi qu'au bouton de commande de la manette. J'ai Y, B. C'est de janvier jusqu'à fin mars. Oh waouh. En magasin. Grâce au biscuit Oreo Xbox édition spéciale, il est possible d'accéder à des contenus exclusifs inspirés d'Oreo dans les 3 jeux les plus populaires de Xbox. On voit le skin sur Halo Infinite qu'on peut débloquer. Ça c'est la voiture sur Forza et ça c'est le skin de bateau qui est vraiment stylé sur Sea of Thieves. Chaque paquet d'Oreo porteur de l'offre pourra permettre de remporter des consoles Xbox Series S, des casques stéréo Xbox et des abonnements Xbox Game Pass Ultimate sur la plateforme www.oreo.eu. Saveur noire naturelle, d'où la poudre de cacao. La saveur vanille à la crème et les textures craquantes du biscuit et fondantes du fourrage. Avec responsabilité, d'accord. Oreo et Xbox ont également développé une console exceptionnelle. Édition limitée, Series S spéciale Oreo. Il y en a 50 exemplaires dans toute l'Europe. Elle est pas stylée. Alors oui, c'est une Xbox Series S, hein, c'est pas à manger. Voilà. Waouh. Là, on peut voir le magnifique skin Oreo. Hein. Oh, waouh. Et il est vraiment Oreo magnifique. Xbox. Waouh. Est-ce que tout le monde est prêt pour le briefing général là? Oui. Bienvenue sur Sea of Thieves. Vous allez me suivre et je vais vous expliquer chaque objet du bateau parce que c'est important de le comprendre, surtout pour Gotha qui a jamais joué. Par exemple, ça c'est un galion. Vous avez 2 échelles sur les côtés symétriques, ok? Quand vous allez attaquer sur un bateau, un seul moyen de monter, c'est ces 2 échelles. Il y a combien de types de bateaux? Il y a 3 types de bateaux. Les restes, c'est juste plus petit. Et ça fait quoi d'en avoir un plus gros? Speed, on est plus rapide, vent, mais c'est plus dur à gérer. Tu vois, il y a 2 big voiles, 3 voiles, pardon. Faut gérer à quel point tu les déploies et comment tu les orientes. Et faut toujours être dans le sens du vent. Donc la barre, vous allez pas vraiment y toucher, je pense. Okay, ensuite, là, t'as l'ancre. Le truc le plus important quand t'abordes un navire, c'est de descendre l'ancre. Tu fais ça sur un bateau ennemi, il est au fond, frère. Je vais lui montrer le harpon. Tu peux harponner moi, le coffre, tu peux tout harponner, frérot. Harponne-moi, s'il te plaît. Merci. Voilà, oh, one shot, waouh. Il est déjà meilleur que moi. La cale, c'est là où se trouvent tous les objets. Là, t'as une boîte de munitions par terre, c'est là où tu récupères tes munitions. Ensuite, t'as l'arsenal pour changer si jamais tu veux passer à l'épée, etc. Ici. Bon, donc, on y la va bouffe, on peut lever l'ancre et commencer à naviguer, ouais. Allez, navigons, bordel, navigons. Là, on lève l'ancre, Gotha. Maintenant, Gotha, le gros point du tuto à suivre attentivement, la furtivité. Okay. Je vais t'apprendre à te cacher sur un navire. Donc, tu vois là, tu vois mon pseudo au-dessus de ma tête. Oui. Ok. Mais là, tu vois plus. Si je le vois toujours. Qui... Il le voit toujours. Oui, parce que t'es mon allié. Mais sinon, quand t'es mon ennemi, tu ne le vois plus. En gros, on se cache sur les bateaux, Gotha. On attend que les mecs finissent de farmer. Et ensuite, on se lève et on leur vole tout leur contenu. Voilà. Il y a des cachettes qui sont définies dans un navire. Okay. Je vais t'apprendre de la meilleure à la pire. Donc là, par exemple, on arrive sur un galion, il n'y a personne. Tu viens avec moi, tu te cales ici, le dos au volant, roue des émotions, furtivité. Tu dois surtout pas bouger, tu touches plus au clavier quand t'es en bas. T'es ouais, en bas. Tu touches plus au clavier quand t'es comme ça. Mais non, mais il y a des mecs qui verront du coup. Bah non, je te jure que non. En fait, ouais, le tout c'est qu'ils se doutent pas que des gens ont infiltré leur navire. S'ils savent pas, ils nous verront pas. Donc ça, on l'appelle le volant. Ok. Ça va. Ensuite, la deuxième cachette en priorité, tu te mets ici. Là vraiment, je suis collé, tu vois, genre dans le coin. Celle-là, elle est extraordinaire. Et voilà. Ok. Ok, vas-y, essaye de la faire. Ouais, t'es bon. Ça fait plaisir d'avoir un bon bonjour. Ah, il est bon. J'avoue, il a tiré dans le mur. Ah, il est vachement mais bon. Mais genre, t'as jamais tiré. Genre, il a jamais tiré en plein infil. Juste au cas où, t'as le canon. Tu te cales ici dans le coin du canon. Mais en fait, c'est juste tout le temps dormir, de toute façon. Tant s'ils envoient des gens sur plein de serveurs. Quoi? Oh, c'est un Reaper 4. Allez au canon, les gars. Tirez à bout. Tirez à balle. Tirez à balle, les gars. Let's go. C'est où qu'on tire la soupe en face là? Favorité. Presque. Il s'est envoyé le. Ah non, c'est toi? Ouais. On les a eu? Surrender or dead. C'est bon, ils ont l'encre, ils ont l'encre. Gotha, rentre dans le canon. Niki, surrender. Ouais, nickel. Surrender. Gotha, t'es sur le navire? Oui. Vas-y, je te laisse PVP. Vas-y, entraîne-toi, Coco. Les gens. Alors là, ils vont spawn. Ils vont pas tarder à spawn.
Mais attends, mais je mets trop de temps à charger. Ils sont là, ils sont c'est là. C'est pour ça, c'est dur. You are mad! J'ai pas compris. Ça met un petit temps, t'inquiète. Ils vont spawn. Il m'a raté, il est nul. Don't be mad! Des cops, s'il te plaît! Coco, on est cops, comme ça tu t'entraînes, il respawn et tu peux les tuer à l'infini. En plus, il rage de ouf là, Gotham. C'est très très drôle, on respawn une kill. So bad! Oh, dead again! Dead again! Oh, you dead too! Dead! Vous êtes des enfants. Ça frappe toujours. Prends ton duel. Oh, big dog! Il est dead! L'entraînement est terminé, Gotha. Tu vas passer à l'exécution. On a une mission et on part maintenant. Le capitaine Senda nous a rejoint. Oh! Salut, mec. Infiltration pure, okay. Minutieux dans tes déplacements, furtif. Et pas se faire griller. Alors Gotha, tu vois que c'est beaucoup de patience, de temps, de trucs. Mais que quand t'arrives à infiltrer des mecs et qu'à la fin ils ragent, ça vaut largement la récompense. Tu les entends en fait. C'est un jeu de pirate quoi. L'énorme crâne rouge dans le ciel, c'est notre objectif. C'est un fort où les mecs sont en train de le faire. Il y a plusieurs vagues d'ennemis. Et après tu tues le dernier boss et il y a les meilleurs trésors du jeu. Donc bien évidemment notre but c'est de s'infiltrer sur leur navire pendant qu'ils sont en train de battre le boss, etc. Et d'attendre qu'ils ramènent tous leurs coffres sur leur navire. On les coule, on arrive avec notre bateau à nous, on harponne tous les coffres et on style. Sur le papier, ça a l'air vraiment incroyable, mais après... T'as pas l'air de vraiment y croire à l'infiltration. Là, il y croit pas, il est sceptique, il est sceptique. Quand il passe devant toi et qu'il te voit pas, c'est incroyable, mec. En fait, je vous dis, vous m'avez dit, genre... C'est comme si vous m'avez dit on va à une soirée incroyable. Non mais mec, on a pas de chance, je vous dis, c'est une boum, on est trois à danser. On a pas de chance. Faites-moi vibrer là les gars. Et mec, on cherche hein. Moi j'ai vu des best-of gros, c'était... Oh. Des best-of, ok, d'accord. C'était scripted, y'avait les acteurs payés de Locke. Mais dans la... On est dans une folle les gars. Réparer. Ah là c'est intéressant déjà. Je l'ai celle-là, je l'ai. Je suis en train de courser en salou. Mais je veux péter mon crâne. Wesh, on va couler. Aidez-moi les gars. J'ai comme. Je répare en bas, j'ai comme avec Senda. Ils ont du loot, les gars. Ils savent pas que j'arrive en raft. Eh, hey, j'avoue, les soirées sur Team Zelopir, le X-Men Station. J'ai grave un mec avec moi. Je te crois pas. Je vais t'agir sur ma vie, frérot. T'as l'air de t'amuser, ça fait plaisir. Tu t'amuses, c'est cool. Eh, les gars, vous allez rattraper là. Moi, je vais plus vite que vous, les gars, je comprends pas là. Mais arrête. Fais que de bosser. Eh, oh, boss ici. Gauche, Senda, gauche. Ils vont aller à l'avant-poste. Ouais. C'est bon, je suis bien bourré. On les a ou pas, Senda? Bah, on commence à les rattraper quoi. Mais attends, tu penses qu'ils ont du loot? Ils en ont, je te le dis. Oh, je vais prendre très sérieusement ce qu'il le dit. Je vais me prendre de la bouffe et on va y aller. Ok, on va les avoir, chat. Dégueu. Je savais pas que tu pouvais faire ça. On les rattrape. Malheureux. Je crois que j'ai tué le biote. Bombez les voiles. Ça bombe sec ici. Ils bombent pas en face, ils bombent pas les gars. Il y en a un dans l'eau, un qui a sauté. Belle info, attention aux aisselles, les aisselles. Il y en a un qui arrive chez nous les gars. Harpon, tire au sniper. Tire au harpon. Leur navire squeeze. Hammer. Ils ont plus de pilote. Ah, j'ai voulu un coffre. Non mais il y a un coffre. Ah, j'ai grave un piège. Big no. Surprise. Il s'est caché, entremise. Gota, cache-toi. Cachez-vous. Viens ici, pardon, ciao. Trop tard, mec. Va avec eux. J'improvise, mec. Les gars, vous avez ancré, on est d'accord. J'ai ancré. J'arrive, je vous aime, j'arrive. J'ai deux morts. Moi, je suis incrusté à l'intérieur. J'arrive, les gars, j'arrive. C'est bien, Gota. Merci, chef. Vous voyez, les gars, sur Tif, c'est ça, il se passe rien et d'un coup, bim, bam, boum. Les gars, c'est incroyable. Ah, y'a rien dans leur bateau. Bah, j'ai volé. C'est bon, Gota, infile. Bah moi les gars je vais continuer l'aventure avec eux je pense hein. Mais non je suis là. On se cache ou pas, on fait quoi? Y'a un mec sur le bateau. Faut laver d'abord. On se cache. Ah je suis mort frère, non il m'a one shot. Les gars là je suis avec les coulages là. Attends remets l'encre, non? Mais il part totalement là. Les gars ils vont se barrer, mettez l'encre. Y'a que Gota sur le navire là. Ah y'a que Gota qui peut mettre l'encre là. Gota met l'encre. Ah ils ont mis l'encre. Je peux pas, ils sont les deux à côté de moi. Ok, attends on va dire. Là Gota t'as le pouvoir de faire un place de zinzin. Vous vous rattrapez là si je mets l'encre? Ouais on te rattrape. Juste bombe. Non mais c'est bon. Ouais bah vas-y mets l'encre. C'est mis l'encre, ça met l'encre. Il faut pas qu'il la rattrape. Oh beau gosse. Un monstre. Courage. Vas-y maintenant tu restes en vie, tu restes. Vas-y mon poulain. Ouais, là il va rester en vie. Mange, c'est très très bien. C'est très très bien ce que tu fais. C'est super ce que tu proposes. C'est magnifique. Coco, t'es le meilleur joueur du monde. Je t'aime. T'es meilleur joueur du monde. Mais il est pas mort avec une balle de snipe, une balle de pompe. J'ai harponné. Tire au snipe toi. Vas-y, je fais que ça. Ils ont démarré.
J'ai mis un hitmarker, mais je crois qu'il a mangé. Tire. J'ai mis un hitmarker encore. Tu l'as tué. Préparez-vous à la bande. Il est mort, demain. Tu t'es loupé. Hop là. C'est bon, je mets l'encre. Mets l'encre. Ah, je vais mourir. Son sabre, c'est nous, mais c'est son sabre. C'est bon, t'as mis l'encre. Ouais, je mets l'encre chez nous aussi. Faudrait un fil. Les gars, ils respawnent maintenant, les gars. Je suis un fil. Vous fightez ou pas là? Faut la relever. Non, tu peux un fil, dépêche. Non, y'a un mec qui répond en bas. Ouais, j'ai un spawn. J'arrive à la nage, tuez-les. Deux mecs qui sortent du bas. T'as besoin d'aide, log ou pas? Ah oui. Ah. Vas-y, aidez-le. Non, mais d'où? Pourquoi je me suis fait la poche? Je laisse mes potes mourir. Il est mort. Dès que vous les lavez, vous vous planquez maintenant. On va se planquer où, les gars? Planquez-vous. Où? À l'avant, à l'avant, au poteau de l'avant. Ils vont spawn. On est pile empilé. Là, on peut pas être mieux, Sanda. On peut pas être mieux. Doutez au top. Ça vient de respawn là. Ouais, j'aimerais venir, les gars. Il remonte là. En vrai, tu sors pas là, mec, tu passes sur eux. Ouais, non, je suis à l'échelle. Les gars, ils sont tous là. Attends, ils sont 3v1 là. Non. Demande pas. Non, la grue. Ils m'ont capté ou pas? Attends, mais y'a notre bateau, c'est notre celui en face? Ouais, c'est notre. Dis-moi quand je monte. Vas-y. Y'a un mec en elle. Vas-y. Oh, il va te voir! Il va te cacher! Je sais pas si t'as vu. Cache-toi! Je crois que oui. Cache-toi! Tu crois qu'il m'a vu, mais il a pas vu! Moi, tu m'as bait! Non, tu vas nous. Viens pas là, on est tu. C'est bait! Je te bait! Ouais, tu m'as bait de fou! Ok, go lave! Mais non! T'inquiète, Squeeze. Je vois rien, y'a un. Oh, il est là! Bouge pas, Squeeze. Dehors! Tu peux te cacher avec nous, non? Il a sauté à l'eau, je crois. Je crois que j'ai vu sauter à l'eau. Mec, je suis en train de voler, j'en ai plus rien. À la proue, vous êtes pas grillé? Non, c'est bien devant. C'est bien. Mais je vois rien, j'ai juste un gros plan sur un poteau. Mais t'inquiète, c'est parce que le navire est tangué. Ah oui, y'a mes jambes blanches. Non, mais tu vois, c'est pas bug. Ok, les gars, on est en field. C'est clean. Coco, t'es où? Moi je suis en haut du mât. Ah t'es infiltré en haut du mât? Moi je suis au volant, les gars. Ok, les gars, on est au top. Oh ça y est, ils ont spawn. Attention, ça va jouer. Là qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils aient prendre un coffre. Là t'attends. En fait le but c'est de les troller, de voir un peu comment ça se passe quoi. Ils vont forcément voir mes jambes, Senda, je suis cramé. Hey, Gota, rien de chi. Mais moi d'en haut je te vois pas. C'est incroyable. Jure, c'est pas scripté là, c'est vraiment des random là. Comment tu fais que ça scripté? Eh, y'a personne qui check, on est d'accord là? Non, personne check, personne check. Ah yes! Mais dans ce genre de moment, faut se commander à manger et tout. Et tu parles avec ton chat, tu parles. Pourquoi? Oh, en fait, t'es pas un endroit très palpitant, Gota, tu vois. Tu m'as dit cache-toi, je sais pas. Oh yeah! Gota, t'es foutu! Gota, il monte. Il va pas te voir. Gota, bouge pas, panique pas, sans froid. Fais pas cramer, pitié. C'est bon, ça passe! Attends. Ça passe! Non, mais quand tu vas redescendre. Oui, ok, c'est bon, il est descendu, moi. Alors, t'as vu? Ça valait le coup ou pas, Coco? Ça valait le coup ou pas? C'est pas mal, mais attends, mais j'ai l'impression, par contre, c'est obvious de ouf, pourtant, mon. C'est surtout qu'ils sont pas au courant que jamais de ta vie tu te dis, y'a des mecs qui vont se cacher sur ton navire, tu vois ce que je veux dire? 2 hours later. Je sais plus comment j'ai. C'est rien. Ah, mais en fait, il est tombé sur le mât, et s'il tombe de l'autre côté, les gars, c'est le 12. Non, mais même s'il marche dessus, n'oublie pas, il est en vue FPS. Ses yeux ils sont en haut, ils sont pas en bas. Y'a aucune raison pour que le mec il attarderait son regard en bas. C'est ça qui est fou dans ce jeu, mec. Et là j'ai envie de sortir, il le bombait. Quand tu cherches pas, tu trouves pas, je te le dis. Ah mec, j'ai envie de s'en border là. Non. Les gars, je crois que je suis cramé. Attends. Je me casse. Non, bouge pas. J'ai obligé de me barrer. Si, il a une fumée. On fait quoi? Non, les gars, je me sacrifie pour vous. Oh non! Il t'a tiré dessus ou pas? Il allait me tirer dessus. Vas-y, on met l'encre. Non, attends! Si, attends, c'est Gota là, Prio. Il joue tous les pistoles. Les gars, on est d'accord, il a fumé. À mort! Deux morts. Un HP le dernier. GG. 3. Ok, vas-y, Gota, nage. Gota, nage. Gota, tu vas te mettre avec eux. Ils nous ont vu arriver de l'avant, donc on va tous se mettre. Ah ouais? On va se mettre ailleurs. On se met où? Tu me vois là? Non, c'est pas bon, tu te mets comme ça, tu tournes à gauche comme ça, et hop, mais je te la crois magie pas. Opère. Je te crois pas. Vas-y, dis-moi, je vais canon. Oui, frérot, je vais pas l'avoir. Voilà, ne bouge pas, Squeeze, voilà. Nickel. Gota, dépêche. Tu te rappelles où tu t'es mis en bas à la caisse? Ouais. Tout au fond à droite. Attends, je regarde ton stream. Parfait, Gota. Deuxième chance. On est foutu, frérot. On est trop bien. On est foutu.
Frère, je pense qu'il va devoir, je pense. Attends, qu'il va mais non, il tape pas, il tape pas, frère. Le gros épaule, faut se méfier de lui. Celui qui est monté. Celui qui a carré le tas. Oulala, ah, il sait pas ce qui se passe. Il s'est peut-être dit qu'on s'était barré. C'est bon. Gota, tu t'es caché où? Je suis en bas, Il est en bas. Il a le meilleur cachette de l'abri. Mais pourquoi on n'est pas tous ensemble? C'est dommage. Parce qu'en fait, s'il y a 3 coups d'épée qui partent, vous êtes 3 morts. Ah, ok. Tu vas dans les options de notification. Attends, chute. Chute. Ah, ça part. C'est pas le calon. C'est pas des FR. Et frère, c'est des FR, de toute façon, là, t'inquiète pas qu'on resterait pas longtemps dans la cachette. Hein. Ah, mec, c'est des kids. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas, ils parlent une langue qu'on connaît. Non, mais c'est ouf par contre qu'on puisse être caché comme ça me fume. Ah, ouais, mec, c'est des bébés. C'est des bébés, ils sont jamais. C'est des bébés, frérot. Ils ont 9 ans, Oh, 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 mec, c'est nous tous en plein esprit. Comment j'ai eu peur? Mec, il a failli nous toucher en plein esprit. Oh bordel. Non. Oh, je les ai réveillés là. Oh les gars, je me fais fumer. Non. Oh non. Ils sont venus en bande, frère. Là on est trop loin en plus, on peut rien faire. Non, bougez pas, plus personne bouge. Ils sont venus à 3, ils m'ont tous mis une balle. Oh non. Gota du bus, c'est ma faute, Gota qui t'a trouvé. C'est le hasard. J'ai fait un voice box. Ah, c'est toi qui a parlé? Ouais, j'ai parlé. Oh non, mais t'abuses, Mais frérot, frère. les chances qu'ils viennent te voir, c'est n'importe quoi. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, ils ont fait ça jusqu'à trouver quelqu'un, de toute façon. Non, c'est bon. Dans tous les cas, mec, leur objectif, il est B et c'est néon. Genre, les mecs, ils sont... Oh, ah, on est vieux, je crois. On est vieux. Ah, on est des challenge. Surprise. Qu'est-ce qu'ils sont derrière? C'est à cause de ton voice mode, frère. Il n'y a rien à faire. Je te jure, ils font rien. Go canon, c'est bien. Dans un canon? Non, sur le côté d'un canon. En vrai, moi je vais dans un canon. Bah ouais, vas-y. Mec. T'inquiète. Dépêche, Cousy, ils vont spawn. Dépêche. Mais frère, il y a des mecs qui dépassent. Attends, tue-moi, aidez-moi. Non. Bah je vais mourir. Tu sors pas maintenant, je vais mourir. Vas-y, je vais l'aider. Comment ça? Bah j'ai pas de heal. Il y en a un qui est mort. Il y en a en bas, je peux. Il drop. Laisse-moi jouer. Y'a un mec qui monte. Sander. Mort. Mort. Vas-y, je fais ça. Oh le poids de. Attends, je vais le mettre vers Watt. Je le mets dedans. Comment je le foutu? Oh mais le pauvre frère, on voit rien. Attends, regarde le pauvre de l'autre. On fait comment? Regarde le pauvre de l'autre. Celle-là, tu vous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, il en prend pas. Mais attends, mais ils ont juste... Ils démarrent déjà, ils démarrent. Stop. Il y a un requin. Stop. Peace. Ah, mais l'épée, j'en ai marre. C'était gaulerie, les gars. Eh, c'était quand même bien drôle, hein. Non, mais même le moment où ils vous ont viré, frère. Ils ont vu qu'on était dans les boulets, ils ont tiré. Il y avait nos vieilles têtes qui dépassaient, tu sais. Comment ils vous ont éjecté instantanément, c'est vraiment un peu trop drôle. T'as vu sur ta pomme à toi? Ouais, j'ai tout. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup et bravo. Dommage qu'on ait pas eu beaucoup de monde sur les mers. Ouais, j'ai quand même bien rigolé, j'ai kiffé, Lox. Et Gota, j'espère que t'as passé vraiment une bonne expérience. Ouais, quand même. Mais juste, vous m'avez vendu la boîte de fou et au final, c'est une petite boom, quoi. Ouais, mais t'as dansé un slow, donc tu t'en sors bien. Ouais, petit slow quand même. Bonne soirée, les gars, et à la prochaine. Bonne soirée, les frérots, merci beaucoup.